Je veux pas être long sur mon direct là, parce que là, le colis est libéré hein, avec petit Ousmane Yelo. Il faut que vous partagez maximum. Yama, partagez d'abord, vous avez une minute la famille de partage, parce que j'ai vu les cris de cœur aujourd'hui. Allah Oudjawajal ne dort pas. Ah oui, Dieu ne dort pas. Maximum de partage d'abord. Je vais vous décortiquer quelque chose qui se passe au niveau de la justice guinéenne. La famille Nyelo et RPJ, les RPJs. Vous avez une force de libérer Ousmane Nyelo et le colis. Ah, vous êtes fort. Vous êtes fort. Le collègue est libéré, hein? Il est à ses retours là-bas, tranquille. Donc, nous, on va prendre notre valise, on va rentrer là où on est quitté. Parce que là, on ne peut pas rester. Le collègue est libre. Ah, général est ici. Général est ici. Donc, vous n'êtes pas honte de mentir. De mentir aux Guinéens. Hier, c'est vous qui parlez à la radio. Film FM ou bien film quoi, je ne sais pas. Que oui. Aujourd'hui, vous allez partir libérer Ousmane Nyelo, libérer le colis Alpha Condé. Vous n'êtes pas honte de dire certains propos à les médias guinéens. Ça vous dit rien, frérot? Ça vous dit rien? Ça va vous servir. Ça doit vous servir au moins des leçons. Arrêtez. Ce que la grande sœur de Ousmane Nyelo est en train de faire, elle va continuer comme ça 1000 ans, 100 ans. Ousmane Nyelo sera en prison. Il va pas sortir là-bas. Le petit va pas sortir là-bas. Je vous garantis. En tant que les procédures qu'elle est en train de faire, ça ne marchera pas en Guinée. L'ethnocentriste d'aller faire la vidéo au niveau de Sigma Dina, au niveau de comment elle s'appelle, Katz. La Guinée n'appartient pas à les malinqués, ma chérie. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre jusqu'à présent. La Guinée, là, ça n'appartient pas à un individu, ni à une seule communauté, ni à un seul ethnie. Ni à un seul ethnie. La Guinée n'appartient pas à les malinqués. On est tous égaux ici en Guinée. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre jusqu'à présent. J'ai fait la vidéo, oh, bah, mais jusqu'à présent, tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives pas à comprendre. Si tu veux la libération de ton frère, il faut passer par la population guinéenne. Il faut passer par les Guinéens. Il faut passer au moins les patriotes guinéens. C'est eux qui peuvent faire les communications, les soutiens de la libération de ton petit frère. Mais 100 ans, 1000 ans, tu passeras par les ethnies. Ousmane ne va pas sortir en prison. Il faut garder ça dans ta tête. Je vous assure, 100 ans, 1000 ans, tu passerais par les ethnies, par les communautés en Guinée. Ousmane ne va pas sortir en prison. Aujourd'hui, c'est une défaite pour vous, madame. C'est une défaite pour vous de partir jusqu'à Sigma Dina, jusqu'à Katz, ou bien jusqu'à Madina. De dire que oui, les braves femmes de Katz, Madina, ils ont fait les t-shirts, ils ont fait je ne sais pas quoi, quoi, quoi. J'ai même pas bien écouté ta vidéo. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Il faut appeler les Guinéens de venir soutenir ton petit frère. Même moi, je suis prêt de le soutenir. Je suis prêt de le soutenir. Mais en bonne route, en bonne voie, légale, en tant qu'un bon Guinéen, parce qu'on est tous des Guinéens. On dit que la justice est boussole du pays. Oui, tout le monde est d'accord pour ça. La justice est boussole de cette nation-là. Mais vous avez oublié la photo que vous avez montrée aujourd'hui. Là où le sang sort sur la tête de Ousmane Nyelo. Mais, détrompez-vous, le petit même a fait son témoignage dans sa propre bouche. La vidéo est sur ma page ici. J'ai mis la vidéo là sur ma page ici.
Le petit même a fait le témoignage que oui, dès qu'elle lui a pas touché, les Guinéens aiment mentir. Que le gars qui est en Belgique, de laisser les Guinéens parler, les Guinéens aiment mentir. Que dès qu'elle n'a même pas touché un grain de son cheveu ou bien je ne sais pas quoi. C'est Ousmane qui a fait le témoignage là. La vidéo existe, la vidéo est sur ma page. La vidéo est sur ma page. Si vous voulez la libération de votre frère, il faut appeler les Guinéens, il faut appeler les patriotes guinéens de demander pardon. Ce n'est pas Sigmadine, ce n'est pas Kax, je ne sais pas si on dit Kax ou bien Kax, je ne sais pas, whatever and whatever, I don't know. Ce n'est pas eux qui vont demander la libération. Ce n'est pas eux qui vont demander la libération de ton jeune frère, non? Il faut appeler les Guinéens, les patriotes guinéens, de demander pardon, d'exiger la libération de ton petit frère. Hier, on a suivi le gars, comment il s'appelle? Général El-Sisi, mon président de la République égyptienne, parce que c'est là-bas que je suis venu. Oui, j'ai vu le monsieur hier à la radio. Le monsieur qui a dit que oui, aujourd'hui, Alpha Condé sera libéré. Aujourd'hui, Ousmane Yélo sera libéré. Il est 16h comme ça, mon frère. Jusqu'à présent, on n'a pas vu le colis. Il est 16h comme ça. Il est 16h comme ça. Jusqu'à présent, on n'a pas vu. On n'a pas vu le colis. Le colis est où? Hein? On n'a pas vu. On n'a pas encore vu le colis. C'est ça que vous avez oublié. Il faut sortir dans un peu ethnocentrisme en Guinée. Il faut sortir dans ça. Un peu ethnocentrisme en Guinée, là, il faut sortir dans ça. Regarde, quand tu parles, il y a les Kaba qui viennent t'insulter. Il y a les Kondé qui viennent t'insulter. Et pourtant, c'est la vérité. En tant que cette femme continue de demander la liberté, la libération de son jeune frère à travers des ethnies, des communautés, Ousmane ne sera pas libre en Guinée. C'est moi qui vous a dit. Gardez ça dans votre tête. Gardez ça dans vos têtes. Le petit ne sera jamais libéré. Si vous voulez la libération de Ousmane, il faut que tous les Guinéens se mobilisent. Demandez la libération de Ousmane Yélo. C'est ça qui est la vérité. C'est pas seulement une communauté. C'est pas même une communauté. Une partie de la politique RPG. Parce que je vous ai toujours dit ici, RPG n'égale pas à la communauté Mandingue. Il y a les Malinké. Il y a le parti. Il y a le parti politique RPG. Ça n'a rien à voir avec la communauté Malinké en Guinée. La communauté Malinké ont toujours vivé avec les autres communautés ensemble en Guinée, sans distinguer les ethnies. Ça fait des siècles et des siècles. Est-ce qu'une fois, vous avez vu une guerre civile en Guinée? Non. 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 Y a pas une... La Guinée n'a jamais connu une guerre civile. Ça veut dire que les ethnies, les communautés ont toujours vécu ensemble, ont toujours vécu dans l'harmonie. Paix, l'amour, tout. Mais aujourd'hui, je vois les RPGistes qui veulent se faire de la communauté, qui parlent au nom de la communauté Malinké. Non, il y a la communauté Malinké, donc nous, les Guinéens, on les respecte beaucoup en tant que les sages, en tant que les dignes fils de la Guinée. Mais aujourd'hui, arrêtez un peu de parler au nom de la communauté. Le mec a dit qu'aujourd'hui, Alpha Condé sera libéré. Et puis fort, et puis par la force, hein, par la force, Alpha Condé sera libéré. C'est le même gars qui a commencé d'en parler le 4 juillet 1985. Et le 4 juillet, ce qui s'est passé en 85, il n'en parle pas. Mais toujours, il continue à dire que oui, les Soussous ont massacré les Malinké. Jamais.
Aucun soussou n'a massacré un malinqué en Guinée. Jamais de la vie. Les soussous ne s'est jamais battu avec les malinqués. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais plutôt, une partie, un petit clan ont parti faire le coup d'État. Vous-même, vous le savez. Si quelqu'un fait le coup d'État, à Mouroussi, groupe n'a pas de coup d'État à Badi, ça, c'est la loi du monde. Groupe n'a pas de sender à Badi, coup d'État à Badi, à Mouroussi, C'était le cas de Diarra. Est-ce que le feu général Lanson Conté a massacré Diarra et son clan comme ça? Parce qu'il est malinqué, non? Non? Diarra a voulu faire le coup d'État. Mamoulang, aura coup d'État Moulang. Maintenant, coup d'État Moulang. Président n'aura pouvoir à Massota, mais c'est Rabama. Abir Nangani ma, à mou discuter ma. Alors, exemple, Colonel Mamadi Doumbouya, elle va connaître votre billing, Astafoulaye, va pouvoir récupérer. Colonel Mamadi Doumbouya, Anoara descendance, Abirina Louemane. Donc, si vous voulez parler l'histoire de 4 juillet 84 et 85 au moins, il faut expliquer les faits. Il faut expliquer les vrais faits. Parce que nous, nous sommes en train de nous barrer. Donc, c'est ça la famille. Donc, la grande soeur de Fat, comment elle s'appelle? De Ousmane Niello. Moi, je ne suis pas contre de demander la libération de ton jeune frère. Même moi, tous les Guinéens, nous sommes prêts de demander la libération de ton jeune frère. Mais il faut faire la bonne manière. Il faut appeler les Guinéens comme on a fait pour Fonny Kemenge, comme on a fait pour les autres, on a fait pour Grenade, on a fait pour les autres Guinéens. Oui, les autres Guinéens, on a appelé toutes les communautés, tous les Guinéens, sans distinguer les communautés. C'est ça qu'on appelle la Guinée. Mais si vous pensez que oui, c'est Sigue Madina qui peut libérer Ousmane Niello, détrompe-toi. C'est Madina qui peut libérer Ousmane Niello, idem aussi. C'est Kax qui peut libérer Ousmane Niello, détrompe-toi. Même moi, là où je suis là, je suis prêt pour demander la libération de Petit parce que c'est un jeune. C'est un jeune, la prison n'est pas bonne pour un jeune. Un jeune qui doit chercher son avenir, la prison n'est pas bonne pour lui. Le petit, il doit préparer son avenir, on doit s'aimer, on doit pardonner. Avant tout, on est tous des Guinéens, quel que soit le problème, ça va finir un jour. Nous, on n'est pas contre le petit. Même moi, je peux demander sa libération. Mais c'est pas comme ça. Il faut respecter les Guinéens. Il faut respecter les procédures. Voilà. On a un mal. On a un bel arrache. On va revenir. On Ousmane aura libération. Maroc, justice sera nos petits libérés. C'est ça qui est la vérité. Mais étant les Guinéens qui sont bien déviés, il n'y aura quatre ethnies déviées parce que là où tu étais parti, la Sigue Madina ou bien quatre là, il n'arrive même pas à 1000 personnes. Quand on parle de la communauté malinqué, c'est une grande communauté. Aujourd'hui, il y a certains malinqués qui ont compris que oui, Alpha Condé était zéro, il était nul. Nul. Seulement les gens, ils ont soutenu M. Alpha Condé parce qu'à cause de leur ethnie. Mais aujourd'hui, ils ont compris que oui, ce n'est pas le cas. Alpha Condé était, je sais, ma colonne, ma chiffre, yo, faladabe. Le monsieur est tellement nul. Monsieur est tellement nul. Qu'est-ce qu'il a apporté à la jeunesse Mandingue? Il n'a rien apporté à la jeunesse Mandingue. Rien.
Nous, on connaît les jeunes qui ont tout perdu. Qui ont tout perdu à cause de RPG. Mais aujourd'hui, leur sort est quoi? Zéro. Ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien gagné. Les jumeaux d'Amaru qui ont chanté contre Otakana ici, on l'a vu. On a vu. Ils ont abandonné leur musique ici. Jusqu'à un... Le mec, je ne sais pas comment il s'appelle, l'autre qui est parti en Europe, jusqu'à lui, il a abandonné la musique, il est parti en Europe. L'autre est resté ici. C'est lui qui a chanté contre nous, qu'on a insulté. C'est nous les insultologues sur les réseaux sociaux. On a accepté, moi en tout cas j'ai accepté. Et je l'ai dit à Nimbox que, mon frère, moi je n'ai jamais insulté un individu, mais plutôt, même tout de suite là, quelqu'un insulte ma communauté, quelqu'un insulte le Kuntigbe de la Basse-Côte. Je vais l'insulter père et mère, tout de suite là. Tout de suite là. Voilà, donc c'est un peu ça. Il faut sortir dans communautarisme, racisme. On va demander la libération du petit Alko. On va comprendre. Petit Rona, il y a ma sorte de. Parce que Géli, voilà, jeune Sigadémara, surtout jeune Nara Lama, Ara Veni Soto, Ara Famille Fondée, Ara Guinée de Rouaradi, Bari. Voilà, quand le petit va retarder dans la prison là-bas, c'est pas bon pour lui, c'est pas bien pour lui. Donc, ma chérie, il faut appeler les Guinéens. Nous tous, on va demander sa libération. Nous tous, on peut taper les différentes portes, Alkoura Petit Beni, pour sa libération. Mais il faut faire au moins dans les conditions normes. Donc, la famille, c'était ça. Big up, la Guinée est une famille. La Guinée est une famille. Les Guinéens, restez sereins. Surtout, gardez la sérénité en Guinée. La Guinée est une famille. Personne ne peut nous séparer. Personne ne peut nous diviser ici. Voilà.